Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue sur Canal 29. Nous sommes heureux de vous recevoir pour une nouvelle émission qui, comme de semaine en semaine, vous donne la possibilité de découvrir différentes activités proposées sur la commune de Vernier. Et en supplément sur le principe de fonctionnement de cette émission, nous vous proposons ces informations en plusieurs langues. Et comme vous pouvez le constater, aujourd'hui, le trio est au complet. Donc, pour l'émission de ce soir, nous aurons le plaisir d'avoir les informations en français, en arabe, grâce à la présence de Suzanne. Suzanne, bonsoir. Bonsoir Bernard, مساء الخير لجميع مشاهدي قناة 29 فيرني. Et nous aurons également la présentation en lingala avec Germaine qui est à nos côtés. Germaine, bonsoir, bon Bonsoir retour. Bernard, merci. Bonsoir. Botanabino na Canal 29. Regardons ensemble les différentes informations qui nous ont été communiquées ou qui ont retenu notre attention. La première d'entre elles concerne la maison de quartier d'Ayer-le-Lignon. Dans les différentes activités qui sont proposées, il n'y a pas que des activités pour les jeunes, mais il y a également des activités que l'on pourrait caractériser sous l'appellation activités tout public. Et parmi celles-ci, il y a des cours de Zumba qui sont proposés tous les mardis de 16h30 à 17h30. Il est demandé un montant de 5 francs par cours pour le niveau débutant. Si vous êtes parent et que vous avez les enfants en sortie d'école, eh bien, vous pouvez participer à ces activités puisqu'il y aura sur place un moniteur qui sera présent et qui peut s'occuper des enfants. Et puis il y a une autre activité qui maintenant finalement se retrouve quasiment dans tous les quartiers de notre commune, c'est la mise en place d'une permanence informatique. Pour la maison de quartier de d'Ayer-le-Lignon, cette permanence informatique a lieu les vendredis et c'est de 14h à 16h. Si vous voulez des renseignements, il y a un numéro de téléphone qui est à disposition, c'est le 022 970 06 90. On le répète, 022 970 06 90. Il y a aussi une adresse de courrier électronique, mais qui est peut-être pas évidente à retenir. Elle s'écrit de la manière suivante, mq.aïr@phase.ch. Mais vous la verrez apparaître à l'écran, n'ayez aucune crainte. Voilà donc parmi les activités proposées par la maison de quartier d'Ayer-le-Lignon, ce qui pourrait vous intéresser. منزل حي أيير لينيون نشاطات للجميع دروس في زومبا كل ثلاثاء من الساعة الرابعة ونصف حتى الخامسة ونصف 5 فرنجات للدرس الواحد مستوى مبتدئين للأهل لا تترددوا في المجيء بعد المدرسة هناك مرشد حاضر للاهتمام بالأولاد مناوبة بالمعلوماتية مجانية كل يوم جمعة من الساعة الثانية حتى الساعة الرابعة من بعد الظهر لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 0229700690 أو عبر البريد الإلكتروني mq.ayir@phase.ch Bandekoto, le Berli Kambwa, Baktivité, Baktivité, la classe saisonnière, Baktivité, Pé Bandu, Kozonga, Yango, commune, Abisso, Babongisi, cours, il y a Zumba, Zumba Jali, juste pour na Bato, Bafandi, na commune, Abisso. Voilà, et que Banda Mokola mardi, et que Banda Kozala Mokola mardi, na Ngonga 16h30, na Ngonga 17h30. Voilà, Zumba, Ozana Bana, Babimi Class, Roketi, Kabangope, Yomko, Okokipe, Kota, ils appellent à 5 francs à Pamba pour l'obtenir sur la fin de la commune à Vernier. Voilà, cours il y a Zumba, au Balingaka, au Koulanda, Zumba, Mabina, tout ça. Moukola vendredi, moukola mardi, pardon, à 16h30, na Gonga 17h30, 5 francs à Pamba. Voilà, puis na ba quartier, Nyonson, Babongisi. Bissika na bissika cours il y a informatique aux un programme informatique aux gens du Kamoko link au salon zaka na cadre informatique au coquille au Kendesikana permanence et kubandoza kaka mkola vendredi na ngonga ya 14h ti na ngonga ya 16h na pesa numéro de téléphone link au benga koza ba renseignement koye ba ndenge nini li kambonini ko ko sala kuna numéro 022 700 970 06 90 Nabandeli 022 970 06 90 voilà pour la cause bar renseignement nous sommes étalés bako nabactivité
Puisque nous évoquions les permanences informatiques, on en profite pour rappeler que les habitants de Châtelaine-Balexert, eux aussi, peuvent en profiter, puisque celle-ci a été mise en place il y a quelques mois par le contrat de quartier de Châtelaine-Balexert. Alors, ce rendez-vous pour la permanence informatique de Châtelaine-Balexert est proposé 2 lundis par mois. Les horaires, c'est de 15h30 à 17h30. Le lieu où les gens se réunissent, c'est le centre de quartier de Balexert. Et vous pouvez déjà noter les 2 prochaines dates, puisqu'elles seront pour le mois d'octobre. Ce sera le 8 et le 29 octobre. Là aussi, il y a un numéro de téléphone qui peut être utilisé si vous désirez des informations ou peut-être préparer votre rencontre si vous aviez un problème informatique un petit peu particulier. C'est le 076 711 18 99. On le redonne. 076 711 18 99. Et puis on peut toujours utiliser l'adresse du contrat de quartier de Châtelaine-Balexert qui s'écrit châtelaine-balexert@sécuvernier.ch. Ce ne sont pas toujours des adresses à retenir par cœur facilement. مناوبة للمعلوماتية لسكان شاتلان بالكسير. إن عقد حي شاتلان بالكسير ينظم يومين اثنين في الشهر مناوبة بالمعلوماتية مجانية في مركز حي بالكسير من الساعة 3:30 حتى 5:30. المواعيد المقبلة 8 و29 تشرين الأول 2018. لمزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 0767111899 أو عبر البريد الإلكتروني châtelain-balexert@sécuvernier.ch. Mon écoute, on a toujours na quartier informatique, voilà aussi batopé ou bafandi na quartier Châtelain Balexert, bangopé ba koki ko kende isikana, ou était ma comme informatique. Bango ba bongisi bango et sika mosusu yango ba nozala 2 lundi na mois ko bandango ya 15h30 na ngonga ya 17h30. Voilà le tel informatique yango za na na centre du quartier ya Balexert. Et ben vous allez sika wana soko ye bikuna te o koki ko benga numéro téléphone 076 711 18 99, na bandeli 076 711 18 99. Kuna ba ko pesa ba renseignement nyonso ou tel informatique ba to Châtelaine Balexert pe ba zana droit yango banoza ekoza mokola le 8 octobre na mokola le 29 octobre ezali balenti. Avez-vous fréquenté en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant l'école de Balexert? Si on pose la question, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas informé, mais il y va y avoir une soirée retrouvailles qui vous donnera ainsi l'occasion eh bien, de retrouver d'anciens collègues de classe ou d'anciens partenaires du côté enseignant. Alors si jamais vous n'étiez pas au courant, voilà donc les informations. Pour cette soirée retrouvailles, elle a été fixée au samedi 29 septembre. Le lieu où l'on propose aux gens de se retrouver, ce sera la maison de quartier de Balexert à partir de 19h. On espère que vous serez nombreux à répondre à cette appel et à cette organisation, puisque souvent ce sont quand même des moments qui sont assez prenants. هل كنتم يوما تلاميذ أو مدرسين في مدرسة بالكسير؟ إذا كنتم كذلك ولم تصلكم المعلومة، فإن يوم السبت في 29 أيلول في منزل حي بالكسير ابتداء من 7 مساء هناك سهرة منظمة لاجتماع الشمل والاحتفال بالالتقاء. نأمل أن تكون كسور لتربية هذه الدعوة. Bandeko soir babengi yango soirée retrouvaille, voilà soirée retrouvaille ceux qui au tanga ou bien aux alaki prof et aux alaka au tanga rapé na école ya Balexert, voilà babongisi soirée mokola samedi 29 septembre na ngonga ya 19h dali soirée retrouvaille, voilà boya esika wana ils apprennent à bana classe na belève ba tumsu soupe boko yana bana binu samedi 29 septembre na ngonga ya 19h yango eza na kati ya maison du quartier ya Balexert kuna fête munene ekoza kuna boya ko sepa na baninga.
Si vous aimez la danse et que vous cherchez où s'organisent des thés dansants sur notre commune, eh bien je dirais l'intention tombe très bien puisque le thé dansant de Châtelaine aura lieu à la fin de cette semaine. Nous serons le dimanche 30 septembre. Cette manifestation commence à 14h30 et elle se tient à la ferme Gaulet. Et en ce qui concerne le thé dansant pour les avanchets, il aura lieu au mois d'octobre, mais nous aurons l'occasion d'y revenir avec les dates. الشاي الراقص لشتلان لمحبي الرقص الأحد في 30 من أيلول عند الساعة 2:30 في مزرعة جولاي تعالوا للتسلية De côté dansant, t'es dansant, t'es libre là, Kosangana Baninga, Kosangana Baninga, bah, Ajipusani, voilà, Ko, bah, Bengango, t'es dansante, moi, Mabina, Miziki, Kolia, Bloka, Mike, mon Kolia, dimanche 30 septembre, là, Ngonga, à 14h30, Yangozana, la ferme, y a Golé, Kuna, voilà, t'es dansante, Boya, Onyoson, Baningi, Mabina, Pe, Kosangana Baninga. Parmi les éléments dont on parle régulièrement sur notre canton et que l'on cherche à visiter ou à faire visiter lorsque l'on reçoit des connaissances, eh bien, il y a le CERN. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de visiter ces installations, peut-être est-ce le bon moment puisque le CERN ouvre ses portes. La date, c'est le vendredi 28 septembre. Cette manifestation se tient dans le cadre de la Nuit des chercheurs. L'événement est gratuit. Les différentes visites sont organisées soit en français, soit en anglais. L'opération commence à 17h et elle se tiendra jusqu'à 23h. Si vous voulez le détail du programme, des activités qui sont proposées, vous pouvez aller sur le site du CERN qui s'écrit www.cern.ch et vous rajoutez simplement barre oblique et avec le mot nuit et là vous aurez tout le détail du programme pour cette soirée du 28 septembre. إن السيرن يفتح أبوابه الجمعة في 28 من أيلول هناك ليلة الباحثين في سيرن حدث مجاني ومسلي يعرض في اللغتين الفرنسية والإنجليزية من الساعة 5 من بعد الظهر حتى 11 ليلا تفاصيل البرنامج متوفرة على مباشرة على الموقع الإلكتروني www.cern.ch/nuit Bandeko na kanisi biso stoye bi CERN bazali ko bongisa visite wana ezali ofele mpona moto nyonso mokolo ya vendredi 28 septembre na ngonga ya 17h ti na ngonga ya 23h soki nano okota esika wana te na CERN boye pa ezali na suka ya marin babengi yango nuit de chercheur voilà okokota okovisite ndenge olingi mokolo ya vendredi 28 septembre na ngonga ya 17h ti na ngonga ya 23h soki olingi koyeba kozwa ba renseignement okoti na site na bango obeti 3 fois www.cern.ch c'est barre oblique nuit voilà kuna na kati okozwa ba réponse nyonso mitunuza nango. Bientôt se tiendra la Journée internationale des personnes âgées et dans le cadre de cette manifestation, eh bien sachez que le service de la cohésion sociale va proposer aux seniors de notre commune une séance gratuite au cinéma Pathé Balexer. La date, eh bien ce sera la semaine prochaine, le lundi 1er octobre. La séance est prévue à 14h15. Le film projeté s'intitule Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? C'est un film de Philippe de Chauvron. Alors, si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas à vous manifester rapidement auprès du service de la cohésion sociale, le nombre de places étant limité. اليوم العالمي للمسنين إن خدمة التماسك الاجتماعي يقدم للمسنين في البلدية عرض سينمائي مجاني في سينما باتي بالكسر الاثنين في الأول من تشرين الأول عند الساعة 2:15 الفيلم المقترح هو بعنوان Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Dit Philippe de Chauvron, al-Amakin Mohaddada. Bandeko, bon, sa journée internationale, il y a Bamikolo et ma personne âgée, journée internationale.
ba bonseli bango ba kobima bokokota ba kokota na cinéma ozala balexer pate balexer mokolo ya lundi 1er octobre na ngonga ya 14h15 voilà o nyonso aebi ke aza parmi ba age ba personne age voilà bokende sika wana o bengi na site internet okoteka na commune okomona adresse ezali voilà journée internationale des personnes âgées mokolo lundi 1er octobre na ngonga ya 14h15 baotala film bokota cinéma film yango babengi yango qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu nini nasali na nzambe voilà nakanisi to si ba message na biso. Cette émission pour aujourd'hui se termine. N'oubliez pas, si vous êtes à l'origine de l'organisation d'une manifestation, d'un spectacle ou d'un événement sur la commune de Vernier, n'hésitez pas à nous le faire savoir en utilisant notre adresse de courrier électronique canal29@bluewin.ch. Vous connaissez le principe, l'émission est enregistrée en direct le mercredi. Les gens qui résident aux Avanchais ou si vous êtes sur Internet avec live stream, eh bien vous pouvez profiter de cette prestation sans ça sur le réseau câblé ou sur la télévision par le boîtier des fournisseurs Internet. C'est le lendemain, le jeudi, à partir de 18h15. Et si vous voulez revoir une émission, si vous voulez proposer un sujet à quelqu'un de votre famille par un intérêt, n'oubliez pas que nous sommes sur YouTube et sur Facebook. Et là aussi, si vous regardez nos réalisations, n'hésitez pas à cliquer sur les petits pouces qu'ils aillent vers le haut ou vers le bas. On l'a vu avec le dernier reportage de La Passerelle est à vous, il y a plus de 5000 personnes qui ont été cliquées sur la page Facebook, ce qui a fait plaisir à toute notre équipe et à ceux qui ont réalisé les images et le montage. Voilà qui devait être précisé. Toute l'équipe se joint à moi pour vous remercier d'avoir été présent. Vous espère au rendez-vous mercredi à 20h la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ou de nouvelles informations concernant les activités sur la commune de Vernier.